Hello la Sporty Team! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une séance un petit peu différente. On va travailler en douceur et en profondeur. Cette séance, elle est accessible à tous. Elle va être intéressante pour un débutant, pour quelqu'un qui reprend le sport, mais également pour quelqu'un qui est habitué à faire du sport régulièrement, parce qu'on va travailler un petit peu différemment. Donc voilà, je voulais faire cette petite séance avant le déconfinement, comme ça on reprend tranquillement, tous ceux qui doivent reprendre le chemin du travail. Et puis pour les autres qui ont continué, ben. Voilà, bravo à eux. Donc maintenant, on y va. Si vous voulez, chez vous, il vous faudra juste un tapis ou une serviette si vous n'avez pas de tapis comme ceci, un drap de bain, vous mettez au sol. Et puis c'est tout. On va travailler donc les abdos, tout ce qui est cuisses et fessiers. On commence avec un échauffement articulaire. C'est parti, un peu de musique et on y va. Allez, ici, on vient bien dérouler la cheville et le poignet. Ok. L'autre côté. Là, on soulève la pointe de pied. Hop, hop, hop. Tranquillement. Voilà. Ensuite, on vient ici. Main sur les genoux et on descend. 1, 2, 3. 4 et 5. Allez, on essaie de descendre un petit peu plus bas. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. On vient faire un cercle. À gauche d'abord. 2, 3, 4, 5. Allez, de l'autre côté. 1, 2, 3. 4, 5, ok. On ouvre, pied plus ou moins largeur de hanche, main à la taille, et on va faire des cercles. 5 d'un côté, 5 de l'autre. Ça fait 2, 3, on ouvre bien, on tourne le bassin. 4, 5, ok. On part de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Et 5. Super. Là, on vient enrouler vers l'avant. 1, 2. Et quand on redescend, les épaules bien basses. Le cou dégagé. 3, 4, 5. Parfait. On part dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Et 5, on relâche un petit peu. Là, la tête de base en haut. Et on va vers l'arrière, mais sans trop aller d'un coup. On y va doucement. Donc ça donne 1, 2, épaules basses, on est relâché. 3, 4, 5. Allez, 1. 2, 3, 4 et 5. Très bien, la même chose maintenant, de gauche à droite. Allez, 2, 3, 4, 5. Allez, 1, 2. 3, 4 et 5. Ah, maintenant, on va faire des cercles. D'abord d'un côté, donc à gauche, après de l'autre. Allez, 1, 2, 3, 4. Vous l'aurez compris, on en fait 5. Et 5. Ok, on part de l'autre côté. Allez, 1. Et 5. Ok. Maintenant, on est ici, les bras relâchés et on vient derrière. Les pieds ne bougent pas. D'accord? Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Et là,
sont les bras en fait qui emmènent et la hanche qui tourne. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant on fait la même chose mais on fait un petit rebond. 1. On en fait 5, 2, 3, 4 et 5. Très bien. On vient ici, on se grandit bien, main croisée et on tire vers le haut. Voilà. Dans l'idée, on veut toucher le plat. Très bien. On relâche. Maintenant, on va monter les genoux. Donc, bras opposés aux genoux qui montent. Si vous avez à monter jusque-là, c'est bien. Sinon, vous montez un peu moins haut. Alors, on en fait. Ben, allez, 1, 2, 3. Voilà. Les bras suivent le mouvement. 4, 5. Ils accompagnent. 6. 7, 8, 9, 10, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. Si vous avez soif, chez vous, buvez un petit coup, toujours important hein, de bien s'hydrater, quelle que soit la séance et en général. Et maintenant, on va partir sur des squats, mouvement classique de squat. Pied, largeur d'épaule, donc voilà, pas plus que ça. Quand on va descendre et qu'on va fléchir, il est très important que le genou ne dépasse pas la pointe du pied, les orteils. Donc ça donne ceci. Voilà, vous êtes ici et vous descendez bien. Voilà, les fesses vers l'arrière, le dos bien droit et la pointe de pied ne doit pas être dépassée par le genou. Vous êtes prêts ? Donc on va commencer, on va en faire 10. Doucement. 1, 2, 3. Allez, on descend bien. Ça vient travailler les cuisses et les fessiers. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on en fait 5 plus rapide. 1, on remonte. 2, on remonte. 3, on remonte. 4, les bras accompagnent. Et 5, super. Maintenant, la même chose, mais on rajoute un mouvement. On descend de la même manière et on rajoute levé de jambe. À chaque fois, un côté puis l'autre. Je vous montre. Donc ça fait ça. Tac, 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 tac. Quand on repose largeur de hanche. On ne vient pas resserrer les pieds et on ne se met pas dans le cou comme ceci. Vous êtes prêts? On va en faire 10. Allez. 1. Et dos bien droit. 2. 3. Là, ça vient bien tirer ici. 4. 5. 6. 7, 8, 9 et 10. Super. Maintenant, on reste en squat, mais on va ouvrir un petit peu les pieds au sol. Donc on passe à une largeur d'épaule plus large, avec la pointe des pieds sur l'extérieur. Donc pas comme ceci, les genoux ni les pieds rentrés, au contraire, on ouvre. Ok, c'est ce qu'on appelle un squat sumo. Et là, on descend. On en fait 10. Allez, 1. Pareil. Genou ne dépasse pas la pointe des pieds. 2. 3. Chez vous, si vous voulez juste descendre comme ceci, vous pouvez. 4. Après, on met les bras. 5. On sent bien le mouvement. Les fesses bien vers l'arrière. 6. 7. 8. On vient bien refermer quand on monte. Un peu une rétroversion du bassin. 9. 10, super. Ok, maintenant on part la même chose, mais on met les bras. Donc, 1, 2, on descend bien bas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, super. Ok.
maintenant on va faire la même chose, mais on va faire un petit à-coup. Donc on fait 1, 2, on remonte. 1, 2, on remonte. Allez, ça fait 3, 4, 5, respirez bien. 6, au dixième, on reste en bas. 7, maintenant ça doit commencer à chauffer un peu les cuisses. 8, 9, bien les quadriceps. Et 10. Maintenant, on reste là. Comme si on était un peu en chaise. Et on descend. On ne bouge plus. Allez, 1, 2, on va à 10, 3, 4, ça brûle. 5, 6, 7, allez, tenez, 8, 9 et 10. On est content, on relâche. On détend un petit peu les cuisses. Voilà. Maintenant, on va partir sur quelque chose qui est très intéressant pour travailler l'intérieur des cuisses, mais on va le faire en mode tranquille. C'est la fente. Donc, on va partir pied sur deux lignes. Et là, on va venir derrière ouvrir. Ça va être très important aussi pour l'équilibre. Donc, vous êtes ici. Derrière, vous imaginez, avoir toujours comme un mur. Dans l'idée, c'est de rester bien droit. Et là, on vient ouvrir. On ne descendra pas plus bas pour le moment. Et là, on ouvre. On en fait 10, d'accord? Allez, 1. Et on revient bien droit. 2. 3. 4. Et on pousse pour revenir. 5. 7 des bras. 6. 7. 8. Toujours, ça travaille les fessiers. 9. Les cuisses, bien évidemment, intérieur-extérieur. Et 10. Ok. Allez, on part sur l'autre jambe. 1. Le pied à plat derrière. 2. Et toujours sur deux lignes, largeur d'épaule. 3. 4. 5. On prend le temps. 6. Chez vous, c'est bien d'aller plus doucement. Vous allez plus doucement. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Maintenant, on va ajouter quelque chose. On va faire la même base, sauf qu'on va rajouter le lever de genou. Donc, on va partir comme ceci. On ouvre bien. Là, on s'aide des bras. Pardon, comme ceci. Et là, on remonte. Donc, toujours bras opposés. Donc, on descend en arrière. Si c'est la jambe gauche devant, main droite ici. On monte le genou. Tac. Main gauche, genou droit. Et on repart. Vous êtes prêts? Alors, on en fait 10. Ça fait 1. 2, 3, on n'oublie pas largeur de hanche, 4, 5, et les bras qui aident, ils accompagnent, 6, 7, corps bien gainé, on contracte tout, 8, 9, et 10, super, on revient là, on fait exactement la même chose de l'autre côté, vous êtes prêts? On y va. Donc, 1, voilà, prenez le temps pour caler vos jambes, vos pieds, et voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, ok, super. Bon, ça c'était pour la partie debout. Maintenant, on va passer sur notre petit tapis. Je vous invite à le prendre. Voilà. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Comme ceci. Ok. Donc ici, très important. Vous êtes à quatre pattes. Les mains sont bien en dessous des épaules. Pas trop devant, pas trop derrière. La même chose avec les genoux. Les genoux dessus de la hanche. Vous êtes vraiment une bonne position. Le dos plat. Ni creusé, ni bombé. Et là, on va venir rentrer les abdos. Et on va décoller les genoux. Alors. On inspire. Et quand on expire, au moment de l'expiration, on absorbe le ventre. Et on décolle les genoux de 10 cm, comme ceci, pas plus. Je ne veux pas vous voir décoller trop haut. On décolle juste de 10 cm
Et on redescend. Et on refait l'inspire. Vous êtes prêts? Allez, on y va. On inspire. On expire, on décolle les genoux. Et derrière, on est sur la pointe des pieds. Allez, deux. Trois. Quatre. Très important, votre nombril doit être bien rentré, bien collé. On sent que les abdos travaillent, ils sont contractés. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok, on va en faire un dernier, on reste un peu. Allez, on y va, on inspire, on expire et on absorbe le ventre. 1, on reste là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, super. On relâche un petit peu, on vient tirer derrière, on vient bien étirer les épaules. Voilà, on se relâche un peu. Maintenant ce qu'on va faire, toujours en position, la même. On va lever la jambe droite, la jambe gauche et inversement. D'accord? Donc on est là. On en fait 10 de chaque côté. Là, on lève. Je vais mettre en face de vous, comme ici. Donc on est là, on lève à l'horizontale et on cherche la longueur. On ne cherche pas la hauteur, on cherche vraiment la longueur. Donc si vous voulez, je me donne vraiment ceci. Là. Et on allonge. Dans l'idée, on va aller chercher le bras loin. La jambe, la même chose. Je ne veux pas tout aller là, ça ne sert à rien. Ok? Et ça fait 1. On va venir poser. Et on fait la même chose avec l'autre à l'inverse. Main gauche, pied droit. 2. Allez, 3. Toujours pareil. On respire bien et on a bien ce ventre bien contracté. Une bonne position. 4. 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on en refait 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Vous restez là. Et là, on fait des battements avec la jambe. Enfin, avec les deux même. On va faire battement, voilà, vraie jambe. Là, des petits battements. Tonique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Ok, on fait l'autre. La même chose, on cherche toujours à s'allonger les battements. Certes, on fait des battements un petit peu dans la hauteur, mais surtout on garde la longueur. Donc on inverse, on est là et on fait des battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On garde cette position. Et maintenant, on va venir travailler les psoas. Bon, vous savez que les psoas sont des muscles, des gros muscles très importants. Et souvent, à force d'être assis dans ces positions, ou sur une moto ou autre, ils sont vraiment écrasés, ils sont contractés. Il est important de les relâcher. Donc là, on va être ici, on va ramener le pied gauche à côté de la main gauche, et après on fera la même chose avec la droite. On en fait 10. Ça, je ne sais pas si vous voyez bien, ça donne ceci. 1. Et on étend. 2. Ok. Vraiment toujours la même position. 3. Et on ramène. 4. Le pied vient bien à la hauteur de la main. 5. 6. 7. 8.
Et 10, super. Ok. Alors, on respire bien. On va s'allonger sur le côté. Hop, comme ceci. On s'allonge bien sur le côté. Alors, la position. On a les jambes légèrement vers l'avant, mais tout le corps bien dans l'axe. Il y a trois possibilités. Ou vous mettez en appui sur votre avant-bras, mais l'épaule est bien décollée, bien soutenue. Ou vous pouvez vous mettre comme ceci, en soutien de la tête. Ou vraiment, si ça ne va pas, vous vous allongez sur votre bras. Si ça va, le mieux, c'est la plus difficile façon de le faire, c'est d'avoir voilà, cette épaule bien décollée, comme ceci. Là, c'est bien décollé. Vous ne voyez pas trop, mais c'est bien décollé. Et on est bien en position. D'accord? Et là, on va venir décoller la jambe, comme ceci. On en fait 10. Allez, 1, 2, tout est bien gainé. 3, 4, quand on inspire, 5, 6, 7. On décolle à l'inspiration. 8, 9 et 10. Ok. Maintenant, on va faire la même chose avec des petits battements, des petits cercles, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. La même chose dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. On repose. Et cette fois, on fait des petits battements. Moins que tout à l'heure. Genre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va être toujours bien décollé, l'épaule bien décollée. Allez, on change de côté. La même chose de l'autre côté. Donc, la position, comme on a dit. Voilà, vous êtes sur l'avant-bras. Si ça ne va pas, vous pouvez même vous aider avec l'autre bras. Si ça va vraiment pas, vous mettez comme ceci ou comme ceci. Allongez complètement. Les jambes sont voilà, dans l'axe, légèrement vers l'avant. Et on va venir monter la jambe dessus. 1, 2, 3, 4. Quand vous inspirez, vous montez. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, les petits cercles dans un sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, ok. On relâche un peu et on va faire des tout petits battements. Respirez bien. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Allez, si vous buvez un petit coup, je regarde la suite de notre petit programme. Alors, maintenant on va travailler les abdos. Donc vous venez tranquillement vous allonger sur le dos. Les pieds. On vient tranquillement s'allonger sur le dos. Les pieds ne sont pas complètement collés, comme ceci. Et on les rapproche des fessiers. Voilà, ça c'est la position. Voilà, on respire bien, on inspire et on vient bien étirer ses bras vers le mur. Ok. Et là, à l'expiration, on ouvre et on vient enrouler. Voilà, là on veille à pas trop tirer sur la nuque et on enroule. Ce sont juste les bras qui aident à enrouler les abdos. Voilà, c'est les abdos qui bossent. Et on repart. On inspire.
On expire, on enroule. Ok, on repart. Voilà, les abdos bien gainés. Très important, ici au niveau du sol, vous allez. Tout est bien ancré dans le sol. Les reins bien dans le sol, les lombaires aussi. Voilà. Et on ne tire pas sur ses cervicales. Allez, on inspire. On tire vers l'arrière. On se grandit. On descend les aisselles. On ouvre. On expire et on monte. Allez, encore trois. Voilà, la tête comme ceci. Allez, on repart. On inspire bien. Vous venez enrouler comme un arc de cercle sur le côté et on enroule ici. Là, on se grandit, on décolle légèrement, même un peu les épaules. Et après, on enroule, on vient bien fixer ici et on souffle. Vous devez bien sentir les abdos qui travaillent ici. Allez, encore deux rapides maintenant, un peu plus vite. Allez. Allez, encore un. Ça fera trois. Ok, on est là, on ne bouge pas. On lève une jambe, on lève la deuxième. Ok. On est ici, donc la position, essayez de pas trop tirer, donc les cervicales relâchées tranquillement. Et là, on va faire un exercice qui ressemble à la centaine. Donc on a ici bien dans le sol, ça ressemble à la centaine. Au lieu de faire comme ceci, on va rester dans la position et on va faire des petits battements, des petits cercles avec les bras. Voilà, allez, 1, 2, 3, bien ancré ici, 4, 5, ça chauffe les abdos, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on fait des petits cercles dans le sens. 1, 2, 3, on regarde au plafond. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on relâche doucement. On remonte tranquillement. Et là, on va repartir sur des abdos encore. On mettra les mains comme ceci, comme un petit peu un losange, un trapèze, que sais-je, on va venir les mettre sous le sacrum, on va poser le sacrum dedans, on va lever ses jambes, pardon, et on va faire des petites descentes, mais on va descendre juste de telle façon à ce que les lombaires restent au sol, donc on ne va pas aller trop loin, donc on est en légère rétroversion du bassin, je vous montre, donc on est là, on vient mettre dessous les mains, vous voyez, ici dessous, on pose le sacrum, dedans. La tête est bien posée. On relâche les cervicales. On regarde le plafond. Ok. Et là, on descend. Pas plus. Je veux pas que ça décolle. Ok. Ça doit rester comme ceci. Voilà. Allez, on en fait 20. 1. Dès que vous sentez que ça décolle, c'est que c'est trop loin. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. On reste un petit peu. Souffle bien. Allez, on en refait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On vient là. On enroule. Et on remonte doucement. Maintenant, on va repartir doucement en position. On va venir coller tranquillement lombaire. On va s'allonger, les mains sur le côté. Cette fois, les jambes légèrement vers l'avant. Et on va faire des petits cercles. Donc, on va décoller la fesse gauche. Et on va faire un cercle à droite. On va décoller la fesse droite, un petit cercle à gauche. Et on revient, on reprend le centre. On va en faire 10 de chaque côté. En tout 20. Vous êtes prêts? Alors, la position. On vient doucement, voilà, on se met au sol. Ici, les bras de chaque côté, une jambe, l'autre, légèrement vers l'avant. Et là, on décolle, petit cercle, et on revient au centre.
Allez, l'autre côté. 1. Ah, ça fait 2, pardon. Voilà, 2. Là, la fesse décolle un peu et on revient. Vous voyez, la fesse qui décolle un peu, cercle, on revient. 3. 4. 5. Allez. 6. 7. 8. 9. Et 10. Allez, on continue. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. On redescend tranquillement. On repose le pied. Voilà. On va venir travailler un petit peu le fessier. Donc on va décoller ici doucement. Attention, on décolle ici. Mais pas plus haut. C'est-à-dire que ça doit rester une belle planche. Pas comme ça. Allez, on y va. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Super. On enroule. On remonte doucement. Et on allonge. On va venir s'étirer un petit peu maintenant. Voilà, on vient devant. Et on allonge tranquillement. On essaie d'attraper la pointe de ses pieds. Et on descend. On respire bien. On essaye de descendre, de gratter un petit peu, et après on reste là et on maintient sa position. Ok. Ici on croise un petit peu, on étire un petit peu le fessier. Ça doit venir tirer sur le côté. Voilà, votre jambe elle est là. Et on est bien. Ok, on revient doucement. L'autre jambe, on croise. On est là, on tire, dos bien droit. Et ça vient tirer ici. Ici. Pour détendre un petit peu les lombaires, on se remet un petit peu comme ceci. Hop. Voilà, on écrase un peu ses genoux sur la poitrine et on masse un petit peu. Voilà, on tangue un peu, bien ancré et on masse. Voilà. Super. On allonge. Et là, on étend bien les bras. On étend bien les bras vers le haut, les jambes. Et on souffle. On inspire, on expire. Super. On remonte doucement. On tire un peu vers le haut. On vient chercher derrière. On vient chercher en haut. Voilà. L'autre bras. On tire un petit peu derrière le triceps. Ok, on va étirer un tout petit peu nos psoas. Donc la position c'est celle-ci. Voilà. Et là, pointe de pied, on se grandit bien vers l'avant. On se grandit vers le haut, pardon, et on pousse un peu vers l'avant.
Voilà, on est là, ça vient de tirer là, on est bien droit. Ensuite, on va venir chercher sur le côté. Et là, vous devez sentir, ça tire ici. Voilà, on vient doucement chercher sur le côté. Ça va tirer tout ceci, tout sur le, un petit peu le flanc et bien le psoas. Allez, on cherche là. Super, on revient. Change de jambe. Jambe devant. Voilà, déjà bien droit, on se grandit vers le haut et en même temps on pousse vers l'avant. On ferme le bassin, on pousse vers l'avant. Là déjà ça doit tirer ici. Hein. Et maintenant, le bras opposé, on vient tirer sur le flanc et en même temps on s'allonge et ça tire sur le psoas. Ok, on remonte. On tire un petit peu ici. On tire le quadril. Genoux collés, hein. Attention de ne pas ouvrir. Restez bien droit. S'il y a besoin, vous aidez d'un mur. Voilà. L'autre jambe, la même chose. Genoux collés, on tire le genou à la fesse. Et le genou est collé à l'autre. Voilà, on relâche. Et on dit bravo, c'était une bonne séance. J'espère qu'elle vous aura fait du bien celle-ci et je vous dis à très bientôt. Donc pour les débutants, n'hésitez pas, il y a une playlist spécifique. Après, il y a beaucoup de choses à regarder, du Tabata. Donc travail Tabata qui est très intéressant, interval training qui est vraiment un travail court mais qui va bosser dans la durée même quand vous avez fini de travailler. C'est intensif en fait, c'est ça. C'est court intensif avec des phases de travail intensif et des phases de repos. De tout, du cardio, des abdos spécifiques, du spécifique sur les bras, les jambes, les cuisses, fessiers, un super exo pour le fessier, n'hésitez pas à le regarder. Donc voilà, je vous invite à regarder toutes ces vidéos et à cliquer sur ma petite tête que vous verrez dans le coin pour vous abonner et pour suivre un peu toutes les vidéos et faire partie de cette belle aventure. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Au revoir, ciao la team.